Non, 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 tu ne peux pas. Non, non, je suis désolé, c'est vraiment pas possible. Ça, on ne peut pas faire ça, c'est déjà prévu là. Donc je vais te demander de partir, Marcus. Oui, tu trouveras bien une autre émission à squatter. Moi, je démarre le stream là. Salut les amis! Et oui, ces problèmes de squatteurs qui ne savent plus quoi faire quand leur chaîne a été détruite par les mal autrui. C'est vraiment dramatique comme problème. On se demande ce que le président de la République fait pour contre ça, hein, vivement qu'il y ait des CRS. Tout ça pour dire des conneries et démarrer le stream alors que derrière vous entendez le bruit. Le bruit. Alors je vais vous le traduire en sensation, ce bruit, c'est le bruit du plaisir. Oui. Parce qu'aujourd'hui j'ai décidé de faire un stream du plaisir. Et du plaisir de qui? Du plaisir de moi. Moi. Eh oui! Un jeu extraordinaire, un jeu SNK, Cyberleap. Pour la petite histoire, 3615 Ta Life, eh ben en fait, c'est mon tout premier jeu acheté sur une Neo Geo. Oui, parce qu'à l'époque, j'étais assez débile pour claquer un mois de paye pour m'acheter une cartouche comme ça. Et c'est vrai que comparé à celle de la Mega Drive et celle des Game Boy, tout de suite, vous étiez quand même dans la classe un petit peu supérieure, voire carrément encombrante. Et il n'y avait pas que la taille qui était encombrante, il y avait aussi le prêt mensuel qu'il fallait faire auprès de votre banquier pour pouvoir acquérir une de ces cartouches dont le prix oscillait couramment entre, on va dire, 450 et 600 euros, grosso merdo. Donc c'était déjà hors de prix, quoi, parce que... C'était juste l'électronique de l'arcade qui était mise dans un autre habillage pour être dans une console de salon, rien d'autre. Donc voilà pour la petite histoire de Cyberleap. Est-ce que tu me le raffiches, pépère? Non, tu n'as pas envie. Ok. Bah, je vais te forcer, regarde. Tu vois. Et maintenant, je force Blaise. Je suis esclavagiste, bon codeur vidéo. C'est ma revanche. Et donc aujourd'hui, on va se faire ce Cyberleap en entier parce que moi, c'est. C'est le gros panard, ça. Alors, le jeu, il est marrant parce que il peut être considéré comme une espèce de pré-Metal Slug. Quand vous voyez le truc, vous voyez des petits bonhommes avec pas mal d'animes. Et en plus, ouais, une bonne souplesse. Oui, on peut considérer que c'est un pré-Metal Slug quelque part. Et alors, vous allez voir, je me rappelle plus des boss, mais c'est assez comique. Alors, à l'époque, je me permettais de one-credit le jeu, chose qui ne va pas être possible aujourd'hui puisque mes neurones pourris. Ben, ne fonctionne plus comme avant et je me rappelle plus du tout du jeu. Si, je me rappelle qu'il faut rentrer dans des trucs pour ravitailler ces super armes qu'on a la chance d'en avoir. Et c'est un trou. Avec le son qui sature bien. Oh yes! Le jump, et voilà, c'est parti. On a l'essentiel. J'ai une sale inertie alors aujourd'hui dans l'émulation, c'est assez bizarre. J'espère que je ne vais pas faire le boudé parce que ce jeu, je suis supposé le connaître. Et normalement, comme on dit, ça revient. Et chaque fois que je fais une position haute, ça met du temps. Ce n'est pas une excuse pour me jeter sous les boulettes, j'en conviens, mais ça met du temps à prendre la position haute étrangement. Ah bon, ça va prendre du temps. Regardez-moi ces looks de Terminator. Non, je me casse, tu m'amuses pas. Alors oui, ils étaient chiants. Au possible, ça je m'en souviens bien. Le bleu, le bleu, le bleu, le bleu surtout, il va t'emmerder. Le bleu, monsieur. Oui. Il va encore tomber derrière. Ah, dommage. Oh, le corbotte, ça se prend. Regardez-moi ce magnifique shield haut de gamme. Et là, on a le magasin de ravitaillement. Mais quand on n'a pas la super arme, eh ben, on ravitaille pot de balle. Dommage, Eliane. Ah, zut, quand on saute direct sur le truc, ça. Vous bousille, ok, tant pis pour moi. J'avais précisé hein, que j'étais pas aussi bon qu'à l'époque.
Le temps passe et fait ses ravages. Je suis totalement d'accord. Je crois qu'il y a une histoire de rayon avec toi. Ouais, c'est bien ça. Oh putain. Alors lui, il faut absolument que je récupère la mitraillette parce qu'il faut tirer dans la tête de cette espèce de Jack Nicholson. Oui, je l'appelais Jack Nicholson à l'époque. Il faut vite profiter d'avoir son petit scooter volant en début de niveau pour lui en mettre plein la poire. Parce qu'on peut rester. Dans l'autre côté, mec. Ça va, j'ai des beaux restes. J'ai des beaux restes. Et ça sur une bonne télé à tube d'une quarantaine de centimètres. Mais ça envoyait du steak, vous avez pas idée. Truc de fou. Les astuces ici. C'était déjà pas ça. Mais celle-là m'arrange bien. Faut pas se faire toucher. Faut que je m'en rappelle de ça parce que sinon ça va très très mal se passer pour moi. Ça se passe d'ailleurs très mal. Les grenades les plus chiantes du monde. Vite prendre ce bazooka. Parce que ça va être terriblement pénible sinon. J'ai raté mon corbotte à cause de toi, salopard. Alors les petites puces, quelle saloperie ça aussi. Eh oui. J'ai pas tant de reste que ça, hein, finalement. 1, 2, 3, 4, hop! Et voilà. Il est où le bleu? Eh oui, il fait la misère. Allez, renvoie le bleu. Alors, je crois qu'il y avait un piège à con. Oui! Bah, bravo le piège à con. Je saute dedans à pieds joints, bravo. Oh là là, c'est quoi l'astuce? Ah oui, lui casser les roues pour qu'il arrête de bouger parce qu'après il va me gonfler avec son canon. En fais-moi le malin là! Mais quelle andouille! En plus, doit lui rester 3 coups dans le buffet, c'est réglé. Voilà, 4. Mais n'empêche, Cyberleap, remis dans le contexte, c'était un jeu. C'est vrai que en borne d'arcade, c'était déjà bien classe, mais ça, à la maison, c'était juste la panacée. Ah oui, on peut choisir son tableau suivant. Enfonçons-nous dans les méandres de cet endroit maléfique et puant. Je crois que j'ai pas choisi le meilleur chemin, je vais regretter rapidement.
Ah oui. Voilà, faut rester sur ce truc tout en évitant les chenilles. Et là, je vais pleurer mémé, comme on dit, dans le jargon technique. Et en évitant ces cochonneries là-haut, et en me foutant pas en bas de la plateforme. Et dis donc, pas très fair play ça. Je me rappelle plus, je me rappelle plus, je me rappelle plus. Ce sont des mines auto-suiveuses. Oui, monseigneur, je viens de le remarquer. Et je m'en débarrasse comment? Faut vraiment les flinguer avant. Ah oui, elle crache des saloperies. Alors oui, c'est peut-être pas dur à deviner. Il y a beaucoup de mémoire là-dedans. Le jeu est pas très très compliqué, il est pas très difficile, mais faut au moins se galérer une fois de le faire en entier. Et après, vous pouvez faire votre one credit, j'allais dire presque tranquille. Presque tranquille, ouais. Oh, j'arrive pas à voir la direction du dessus avec mon pad, c'est... Non, je ne dirais pas dramatique, mais je le penserais très fort. Mourez, bande de pas gentils, quoi. Ah, j'ai ripé. J'ai ripé. Tiens, j'en profite, je fais le lâche. Et oui, yippee-ki-yay. Va falloir que je règle mon pad, moi, les gars. Ça se passe pas très bien. Ah, les histoires de plateforme, non, je m'en rappelais plus aussi ça. Il y a une connerie avec ça. Ah, je vais pas aimer du tout. Merci le shield, merci. Là, il faut sauter. Et oui, il faut y penser, mais il faut faire gaffe en dessous parce que il y a une feinte. Je me rappelle plus du tout la feinte. Dommage. Vite débarrasse-toi de ça. Hop, tu feras des cascades plus tard. Ah oui, celui-là, il est chiant, on va voir. Parce que voilà. À cause de Madame Tourelle, qui ne peut pas trop collaborer. Oui, je recharge du piou-piou-piou, c'est assez nul. Mais bon. Tant que ça fait sourire, c'est ce qui compte. Mais il ne s'arrête jamais. Non. Alors, là, il y a un moment où il faut sauter, mais je sais plus quand. Pas maintenant. Mourez, bande de méchantes tourelles médisantes. Ah non. Oh purée, faut pas sauter là. Faut surtout pas sauter. Et faut surtout faire gaffe. Il y a un moment, il va être furax. Il va être vénère. À force qu'on lui gratouille l'œil à coup de laser. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bien prendre son élan et il va me foncer sur la gueule. Et si je suis au milieu, enfin pas dans un creux de ses pattes, ça ne passera décidément pas. Là, il a l'œil fourbe. Là, il a l'œil fourbe. Il commence là. Regardez-moi ça. C'est comme la vie aquatique. Ah! J'aurais dû me méfier davantage. Non, mais t'as cru me la faire, toi? Regardez-moi cette combi avec des rétropropulseurs pour pouvoir atterrir en douceur, quoi. C'est magnifique. Eh bien, nous allons... Je sais plus. Non, remis dans le contexte, c'était vraiment un bon jeu. Alors, il a pris des rides. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour expérimenter le même gameplay, on se met sur Metal Slug, quoi, il n'y a pas photo. Mais il a quand même le mérite d'avoir existé, d'avoir montré la voie quelque part. D'ailleurs, je me demande si... Ah, il me fait chier ce tableau en vertical. Je me demande s'il n'y a pas justement des programmeurs qui ont bossé sur les Metal Slug qui étaient à l'origine dans ce projet. Ah, là, t'es mort, t'es mort. Mais pourquoi j'arrive pas à faire les...
J'arrive pas à les faire, les verticales, c'est incroyable. Ah oui, puis il y a des moments où il faut se démerder à sauter au bon endroit, parce que sinon, on se met tout seul dedans. Non! Mauvaise idée. Je sens que ça va être la galère à la fin. Je me rappelle plus ce qu'il y a, mais ça va. Si j'ai pas les verticales, je vais pleurer. Et j'arrive pas bien à les avoir. C'est dommage. Il est mort. Ah oui, il est galère ce tableau. Oui, non, 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 oui. Ouh là là, oui, c'est le tableau Space Invader. Ça va, celui-là, il est assez tranquille. Je me rappelle plus ce qu'il faut faire une fois en bas. Faut juste s'accroupir, je crois. Il doit y avoir un endroit un peu safe pour se mettre. Oui, là, je la fais à la brutale. Captain Brutal. De son pinon. C'était fait comme un sale. Je suis le premier à le reconnaître. Mais bon, le but du jeu, c'est de vous faire voir tout le jeu, quoi. Parce que moi, il m'a éclaté. Et j'ai pas très envie de vraiment jouer dessus, parce que c'est vrai que je vous l'ai dit déjà, on a des gameplays dans le même style, plus évolués aujourd'hui, et c'est pas trop génial point de vue maniabilité, quoi. Ça a pris un petit coup de vieux. Oh non, pas encore là-dessous. Je veux plus. Mais c'est le même. Moi, je me suicide. Oh, j'en refais le même, le calvaire. Et oui, ça, c'était le truc à savoir, c'est si vous preniez le mauvais chemin, le jeu, bah, vous faisait des rallongis. Et oui, la dure vie du rallongi. Avec ce passage particulièrement chiant, on va appeler un chat un chat. Avec ces bestioles qui prennent 4 ou 5 bastos dans le buffet avant de bien vouloir crever. Aucun bonus dispo. Les petites tourelles par grappe de temps en temps, histoire de vous rappeler que vous n'êtes pas tout seul au monde. Et voilà. Et ces saloperies qui demandent la maîtrise du saut tiré. Non, 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 non. Voilà, oui. Ça aurait été plus efficace avec un lance-roquette, mais bon. Toujours des petits grains d'humour. Alors, passage en poutrelle. Je sens que je vais pas l'aimer celui-là. Ah oui, oh là 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 là, ils sont chiants ceux-là. Voilà, vous avez compté le nombre de bastos qu'il leur faut pour être calmés? Il est là le problème. Plus les petits qui sont quand même pas mal résistants pour leur petite taille. Alors vous dites sécurité en hauteur? Eh bien non. De partout ils arrivent, ce sont des envahisseurs. D'où leur appellation, je crois. Peut-être, pas sûr. Faut voir. Et ces saloperies volantes là vont me faire la misère. Plus mes sourates, et vous êtes prêts pour la séquence Fell, là. Wouh! Wouh! Le beau reste, le beau reste. Merde. Alors là, en mode ultime, c'est de faire tout le passage dans le scooter volant. C'est là que vous êtes le joueur de la route. Et il y a un saut, il faut pas le sauter tant que ça, je crois que c'est celui-là. Ça tombe bien, je vais faire du scooter volant. Allez, ciao. Comment ça, je joue très très mal et je suis de mauvaise foi? Oui, à fond.
À fond, à fond, à fond. Mais voilà, il y avait des passages bien irritants dans ce jeu. Genre là, on n'a qu'une envie, c'est de se barrer, quoi. Parce que ils sont immondes, ces trucs. Ah! J'ai jamais pas fini, dommage. Le lance-roquette sur le scooter, c'est pas mal. Là, c'est mieux. Il est galère celui-là. Il est très galère. Sauter, s'accroupir. Il va toutes vous les faire, quoi. Mais bon, ça en vaut la chandelle, c'est le dernier, je crois. Et puis il faut se faire les yeux pour avoir un peu plus de place pour espérer bouger. Ça aide un petit peu. Mais c'est pas si simple, vu que ça n'arrête pas. Alors, je sais pas ce qu'il dit exactement à chaque fois. À l'époque, ça m'avait travaillé l'esprit aussi. I'm a gardener, je suis un jardinier. Parce que s'il voulait dire je suis un gardien, c'était pas très bien prononcé, je crois. Enfin, c'est pas grave, on va lui en vouloir. Oh, la petite roulade. Ah tiens, on va profiter du taxi hein, pour la faire à la crado. Il y a des fois, c'est vachement utile. Donc, on l'a vu, ce qui manque dans le jeu, c'est le lance-grenade. Parce qu'il y a des moments, ça devient un poil pénible. Ah nous Dieu, ce napant, comment ça, vous avez un feu sur la langue? Pas du tout, pas du tout. Vous faisiez des publicités dans les années 70 pour des montres? Non, 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 pas du tout. Bon, on va y aller à la Bourrinos encore. Hein. Bourrinos, Bourrinos. Le secret des patins en titan. Tu veux bien crever un jour. Et pas pour me faire plaisir pour les viewers, parce qu'ils commencent à fatiguer. Là, j'en vois deux qui baillent déjà. Oui. Comment ça, c'est lié au fait que je joue comme une buse? Toi aussi, tu dis buse alors. Ouais, c'est bien ça. Bon, on a une affinité déjà, c'est cool. Oui, je parle souvent aux personnages de jeux vidéo pour essayer de les hypnotiser ou de les déconcentrer, ça dépend. Et ça ne marche pas souvent, pour être très très honnête. Hé! J'ai crié. Non, je ne vais pas la faire. Ah là là, si j'ai envie. J'aurais dû la faire, je serais pas mort. J'en ai marre de toi là. J'en ai marre, tout le monde en avait marre. C'est bien, il faut que ça cesse. Time over, no bonus. Tu es trop misérable. Est-ce qu'il me fait un boss rush mode à la fin? Je me souviens plus bien. Là, j'ai tout le temps haut, moi, je suis un con. Non! Pas les égouts de la mort une troisième fois. Oh, la punition. Je suis désolé, hein, je vous prends des rallongis. Mais bon. Va falloir vous y faire. Iguigui! Ça passait! Ça passait! J'étais sûr que ça passait. Non, non, mais. Mais oui. Je vais bien finir par les mémoriser, hein, vu que je les ai totalement oubliés, ceux-là. Mais je crois qu'il y avait une blague à un niveau où le. Si on fait pas gaffe, le quadripode rentre complètement dans la flotte. Alors je sais pas si c'est moi qui yoyote de la cafetière ou bien. La technique là, oui, c'était d'attendre la fin du scroll pour être peinard, bien les aligner, et voilà. Donc comme quoi, plus qu'un jeu de réflexe, un Cyber Leap, c'était surtout une bonne mémorisation, même si on était mauvais, on s'en sortait très bien. Je vais toujours en haut! Ne me demande pas! Mais oui, de la friture. Oh non! Le tableau où tu passes un crédit toutes les 18 secondes. C'est parti! Qu'il était horrible ce niveau. Et si je reste trop dessus, là, je tombe. Je tombe en bas. Hein. Si ma plateforme se casse la gueule, enfin, si ma plateforme sort d'écran, vous avez bien pigé que c'est cuit pour moi. Ouais, je mets une telle bonne volonté à sauter dans le vide aussi, faut avouer ce qui est. Hein. Insérer des coins, oui, on a dû en bouffer un max. Insérons des canards. Et là, sans le tir réparti, c'est de la galère.
Et là, je suis dans la merde. Ah bah non, 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 mais je prends le bonus, c'est trop tard. C'est trop tard, monsieur. Et non, c'est ou la plateforme ou le bonus. Eh non, on peut pas tout avoir. On n'est pas une banque, nous. Oui, déjà dans une banque, de toute manière, on peut pas tout avoir. Je sais pas si vous avez remarqué. Enfin, si, on peut avoir des frais. Ça, souvent, là. Je m'égare pour combler ma mauvaisitude. Ça va bien se passer. Ouais, non, mais je t'avais entendu tirer, toi, en fait. À l'oreille, je le fais, ce jeu. Voilà. T'as vu ça? Faut attendre, mais pas trop. Et faut être un peu fourbe aussi, hein. Pas hésiter à tirer hors de l'écran, comme ils font eux, d'ailleurs. Ah, putain! Alors, oh putain, oui, le pénible de service. Observez bien cet énorme suppositoire qui sort de devant. Ah oui, ça, il y a de la surface, hein, c'est du vrai napalm. C'est pas une copie, hein. C'est du vrai. Des vieux stocks. Donc le problème quand même, c'est que les boss, ça se résume souvent à faire ça, hein. Se mettre dessous, tirer comme un malade, se barrer dès que ça tire un peu. Coucou. Il tire plus à prune. Salaud. Je vais faire ça de là-haut, c'est beaucoup plus safe. Ah, fini les beaux jours. Le tout, c'est de sentir quand le truc va tomber. Bon, là, c'est tout l'hélico, ce qui est un petit peu arrangeant quand même. Avons-nous fait le boss de fin? Non, je me rappelle que c'était un truc. Oui, je me rappelle de ce que c'était, ça y est, ça revient. Car nous affrontons les lèvres cyber, je vous le répète encore. My name is Cyberlip. I am the supercomputer you are looking for. I Et am oui, not à 9000, on peut aller se I have coucher. just Là, on a been un vrai ordinateur qui parle, reprogrammed. puisqu'on voit même la bouche bouger. Si ça, c'est pas la classe, moi je sais pas ce qu'il vous faut, les gars. Armement. Non. 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 Moi je tire, hein, tant qu'ils veulent pas sortir, je sais très bien que c'est un piège à con. Ah oui! En fait, le piège à con, c'est que il faut trouver la bonne salle où se planque le boss final, le vrai. Sinon, vous vous déclenchez ben, n'importe lequel des précédents qui est planqué dans la salle à sa place. Ça lui vient de faire la misère. Range ton œil, ça se fait pas. Est-ce que. Même les. Je vais pas commenter, ça va être scabreux. Mais. Il ne faut pas. Là, il va me foncer dessus dans H, moins 3, 2, 1. J'ai peur, je sens qu'il va monter, je sens qu'il va monter, je le sens. Ah non. Ouais, j'étais à l'œil moi aussi. Je le sens là, je le sens, je le sens, je le sens, il va le faire, il va le faire. Bizarre qu'il n'ait pas encore foncé dessus. Ben oui, mais je peux pas passer, gars. Il est chaud, il est chaud. Ah, il est parti, c'est très bien. Bon, ben, priez pour que je trouve la bonne porte. J'aurais pu plus mal tomber. Hein. Bon, puis celui-là, ça va, on connaît la routine. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste en magasin? Oh non!
Ça va aller très vite. Et encore, vous n'avez pas vu le vrai boss. Et donc, s'il faudra, je vais tous me les faire, hein, si j'ai pas de chance. Et ben le voilà. Alors j'ai mis mon petit jetpack en route. Et maintenant il va falloir que j'évite ses tirs. Plus, vous allez voir ce qu'il va me faire avec ses petits boucliers pivotants là. Parce qu'il va pas s'arrêter là le pépère. Et oui. Donc méfiance de tous les instants. Parce que c'est pas supra compliqué. Mais il y a moyen de se faire piéger bêtement. Dans un slow de la mort. Ou en général on y laisse quelques plumes. Et bim, coup de bouclier, voilà, c'était prévu. Et c'est bien, moi, maintenant vous aurez vu toutes les façons de mourir. Il y en a peut-être une nouvelle, hein, que je pourrais inventer. Et pile au moment où le bouclier cédait, ça c'est la lose totale, comme on dit en langage technique. La lose. Alors, la fin, je crois qu'une fois que le bouclier sera pété, ce ne sera pas fini. Oui, je spoil, je suis comme ça. Mais ce jeu m'a fâché au début. Parce que ce dernier boss, je pigeais pas trop... Comment m'en débarrasser efficacement? Et oui, il bouge de plus en plus. Il a une plus grande inertie, le salopard. Et alors là, patience, zénitude et méfiance toujours. Car le cerveau mécanique est fourbe. Tout le monde a bien compris que sa technique, là, c'était l'hypnotisation. C'était bien tenté, mais non. Et voilà. Alors là, je vous montre le son parce que cette fin, elle rocks. Mission completed. You have done a good job. There are no more obstacles in our way. On s'est quand même bien fait avoir dans l'histoire. Hein. Donc là, vous sortez vos mouchoirs sur la musique finale. C'était ce petit stream sur Cyberleap que je tenais à vous partager parce que ce jeu était quand même génial. Remis en contexte, hein, donc ça devait être quelle année ça? Ça devait être du 87-88, il me semble. Et pour les gens qui, de surcroît, avaient le privilège d'avoir une Neo Geo, c'était quand même le grand luxe, la panacée et le plaisir sans fin, quoi. Je vous laisse sur le générique. Les petits bandeaux apparaissent à la fin pour vous renvoyer aux playlists qui peuvent vous intéresser. Moi, je vous dis rendez-vous à demain, 19h, pour un nouveau stream. Ciao.